Jazz Correa a une nouvelle corde à son arc. Il y a quelques jours, la candidate de la JLC Family a annoncé qu'elle se lançait dans l'animation d'événements. Désormais, l'épouse de Laurent propose ses services pour toutes les festivités de ses abonnés. Un choix étonnant qui a évidemment fait réagir Booba. Ce dimanche 5 mars, le duc de Boulogne n'a pas hésité à s'exprimer au sujet de cette reconversion qu'il n'approuve pas. Le rappeur ironise: Booba mène une guerre sans merci contre les influenceurs. Depuis des mois, l'ennemi de Magali Berda ne rate pas une occasion de descendre en flèche certains candidats de télé-réalité. Ce week-end, l'artiste a lynché Jazz Correa. Sidéré par la nouvelle activité professionnelle de la jeune femme, le quadragénaire s'est exprimé sur Twitter. Après avoir relayé la story de la jolie brune, l'interprète de Scarface a écrit cette légende sans équivoque: ça s'appelle faire la manche, mademoiselle. Le hashtag Influateur a également été ajouté à cette publication. Très vite, les fans du duc de Boulogne ont eux aussi réagi. De nombreuses personnes ont évoqué les pots de départ en entreprise ou les animations de supermarché que pourrait faire l'influenceuse. D'autres ont plaisanté sur sa volonté de se déplacer pour l'inauguration d'une bibliothèque. Pour le moment, la jeune femme n'a pas encore réagi à ces attaques. Un projet très sérieux, Jazz Correa a décidé de se diversifier. Désormais, la candidate de télé-réalité monnaie sa présence pour des événements divers et variés. Anniversaire privé, bar mitzvah, salon de coiffure, restaurant, bibliothèque. La jeune femme peut se déplacer afin d'offrir un moment privilégié à ses admirateurs. La jolie brune précise tout de même ne pas faire de booking seul en boîte de nuit. On fait des bookings groupés avec Sissika, Laurent et moi. A-t-elle précisé après avoir invité les personnes intéressées à la contacter via le numéro de téléphone indiqué sur le flyer réalisé pour cette occasion. @Instagram